Eh bien, salut à tous, c'est Mascas. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur Drive Club, l'édition PlayStation Plus. Donc, on avait fait sur l'autre vidéo une course simple. Donc, on avait fait la première et la troisième. Alors, est-ce qu'on va faire les autres? Ouais, on peut. On peut faire ça. Alors là, je sais pas du tout, c'est, on dirait les mêmes courses. Bon, on va faire celle-là. Heure, on va mettre peu importe, aléatoire. Laps de temps. Ça, je sais pas ce que c'est. Dynamique. Ah d'accord. Donc là il fait beau. Là il pleut un tout petit peu. D'accord. Ah si, c'est sympa. Allez, go. Donc on a que deux voitures. Au début du jeu, et on doit, ouais, on doit payer forcément hein, pour en avoir d'autres. Bon, bah, on va prendre la Mercedes qu'on avait sur la première course. Hop, elle est là. Ah, les effets de la pluie sur la voiture sont pas mal. C'est vraiment bien fait. Concurrent 11, 3 tours, semi-professionnel. Ok. Et c'est encore dans le noir. Bon, ça fait rien. En haut à droite, on a le nombre de tours cette fois. Tout à l'heure, on avait la progression. Et là, on a le nombre de tours. Je vois rien du tout. Je suis les voitures de devant. Je pense que c'est un bon jeu. Avec le peu de courses que j'ai faites, c'est pas mal. Moi j'aime bien et il me semble que sur le PSN Plus, le jeu était à 25 euros, je crois. Alors je sais pas du tout à quoi ça correspond, si c'est la version complète, enfin j'espère en tout cas. Et de toute façon, dans les magasins, le jeu il doit pas être si cher que ça maintenant. C'est un jeu qui est sorti il y a quelques temps maintenant. Je pense pas qu'il soit à 60 euros. Là, je ne vois rien du tout. Avec la pluie. Ah oui, le pourcentage qu'on avait sur l'autre vidéo, c'est peut-être parce que c'était un parcours d'un point A jusqu'à un point B, et là c'est bah, c'est juste un circuit seulement. Hein. Enfin, j'imagine, hein, si je suis ma logique, c'est ça. Donc là, on est sur un circuit, on fait 3 tours, et alors qu'avant on avait. On avait une, on va dire une spéciale. Donc pas de tour.
D'accord, j'ai une pénalité de collision. Bon, en même temps, je suis un peu bourrin. Le jour commence à se lever, ça c'est intéressant. Je trouve ça plutôt bien réussi. Les détails sont, ouais, sont très bien. Les flaques d'eau sur la route. La transition jour-nuit est très bien réussie. Il y a du monde derrière. Faut que je fasse gaffe. Challenge, vitesse maximum, je crois. J'ai pas très bien vu, j'ai pas eu le temps. Aspiration. D'accord, on gagne des points par rapport au défi qu'on fait. Donc là, j'ai pénalité de collision. Alors je sais pas si j'ai perdu des points, je pense que si. Les reflets sont très très jolis. Alors du coup, comme il y a trois tours, les premiers je les ai fait, les premiers tours je les ai fait dans le noir, et du coup j'ai fini la course en pleine journée tout simplement. Donc là j'avais du mal à reconnaître la route, normal parce que juste avant c'était c'est course de nuit, donc je voyais pas trop où j'allais. D'accord. Alors là, j'ai obtenu un trophée. Je crois qu'il se voit pas sur la vidéo, hein, mais c'est gain de niveau. Donc ça doit être passage au niveau 2. Allez, on va refaire une deuxième. D'accord. Donc il y a des voitures qui se débloquent et il y a des voitures qui s'achètent sur le PS Store. Carrosserie. D'accord. Bon, c'est sympa. Allez, on va continuer. Donc j'ai fait cette course-là. Et on va faire celle-là maintenant. Je suis même pas sûr si c'était celle-là. Non, c'était celle-là, ouais. On va faire celle-là maintenant. On va laisser... Comme ça, c'était bien. Ah, c'est celle-là que j'ai débloquée pourtant, non? N'est pas disponible dans l'édition PSN Plus, PS Plus, pardon. Ok. Donc je dois acheter la version complète de Drive Club pour avoir cette voiture-là. Bon, je vais garder la Mercedes. Ouais, commence à faire noir. Non, la transition est vraiment... Je me le répète, mais la transition est pas mal. Elle est bien faite. J'essaye de vous montrer le maximum de détails dans le jeu, hein, comme c'est l'édition PS Plus. Ça peut être intéressant de vous montrer quelques détails comme les vues, plusieurs choses comme ça.
impact sur les véhicules, d'accord. Je perds des points quand je tape dans les voitures. Les essuie-glaces hein, sont... C'est pareil, hein, c'est bien, bien fait. Ça donne un peu plus de réalisme au jeu. J'ai pas le temps de regarder ce qui s'affiche à l'écran, excusez-moi, mais... Du coup, je sais pas trop à quoi ça correspond. Je sais que je gagne des points avec l'aspiration, que je perds des points avec les collisions, mais sinon, je vois pas grand-chose. Concentré. J'ai l'impression que ça glisse un tout petit peu sur la route. Avec la pluie qui est tombée. Ah, avec la pluie qui tombe d'ailleurs. Ouais, on dirait que ça glisse un tout petit peu quand même. Ouais, c'est bien, c'est réaliste. Là, le frein à main qui fait du bien. Je crois que c'est le frein à main. Rond, je pense que c'est le frein à main. Ou c'est peut-être carré, je sais pas. On va tester ça. Ouais. Ça doit être le carré. Je l'ai cramé lui. On est au dernier tour. On va rester à la première position, ça serait bien. Tant qu'à faire, autant faire une course assez propre. Ouais, c'est chaud avec cette vue-là, hein. On voit pas grand-chose. Ouais, y a plusieurs défis à faire et je pense que c'est des gens comme nous qui ont le jeu. Et du coup, ils doivent faire des défis. Je pense que c'est ça hein, la principale idée de Drive Club. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que je ne suis pas trop renseigné sur le jeu. Je sais qu'il y a eu un souci avec le PS Plus. Mais à part ça, au départ, j'étais intéressé par ce jeu-là et j'ai vite abandonné parce qu'avec tous les soucis qu'il y a eu sur le jeu. Ça m'a pas trop envie de le connaître davantage. Eh bien, on va se quitter là-dessus. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur ce jeu-là. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la fois prochaine. Salut!